Et bonjour à tous et bonjour surtout pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2. Alors pour l'épisode 11, alors désolé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que en fait j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, en fait, voilà, comme j'ai une copine et tout, donc ça prend dans le même temps, j'ai des cours. Donc voilà, donc là je suis un peu en vacances et après je travaille, donc je n'aurai pas beaucoup le temps. Alors, excusez-moi si voilà pendant si voilà s'il n'y a pas eu de vidéo. Eh hey Marcus, tu devrais essayer Roxane en Tengwar. C'est de l'elfique. Eh hey, Citara! Eh, hey, mets ça sur l'écran, Josh. Ça vient de Miranda. Vous êtes suivi. Un ami à moi prend de gros risques pour vous envoyer ceci. Soyez prudent, quelqu'un vous prend pour cible. Ah. Cible? J'espère que ça enregistre encore. Hein? Oui, ça enregistre encore. C'est nous. Merde, c'est maintenant. Eh, hey, regardez celle-là. Il y a quelqu'un qui nous espionne. Il doit être dehors. Le fumier. Allez hop, on va lui claquer sa petite gueule. Oh, voilà, tranquille, mon grand. On fait ça discret. Je vais sortir par devant et voir si je peux repérer quelque chose. Ouais. Non, je te jure. Le type débarque dans le restaurant. Il la pousse. Ok. Il y a un fourgon. Ouais, c'est eux. Faut qu'on récupère ce qu'on peut. Hop, on va prendre de l'énergie. Toi mort. C'est cool ça. Tu dégages. Oh putain! Mais c'est qui ces types? Ils ont une tonne d'infos sur nous! Il y a des photos et même une carte avec les déplacements quotidiens de Josh et plein d'autres trucs! C'est quoi ce bordel? Merde, merde, merde! Qu'est-ce qu'il y a? C'est le FBI! Pirater le FBI. Tiens, écoute, je suis dans leur canal de com. Attention, quelqu'un tente d'accéder à notre source d'information. À tous les agents, dirigez-vous vers le suspect. Diamond anti-hacker. Je m'occupe de lui, seconde. Oh putain! Allez. Ça y est! C'est pas trop tôt!
de récupérer un max de trucs, là. Va falloir absolument qu'on diffuse ça. Je suis un peu occupé, là, Wrench. Ah ouais, c'est vrai. Oh, désolé. Bon, en attendant. Bientôt finir. Traquez-le, compris ? Il pourra pas s'échapper. Marcus, on est bon. Tu peux dégager maintenant. Mission facile. Faudrait pas appeler la police là ? Voilà. Wrench, qu'est-ce qui... Tu sais qu'on joue avec le FBI là ? Faut qu'on limite les communications au strict minimum. Ok, mais... Zéro communication. Face à face, à la rigueur. Retrouve-moi là, là où tu sais. Wrench ? Wrench ? Bon bah c'est parti pour le café alors. Marcus, on a essayé de contacter Horatio. Il répond pas aux appels et son téléphone bouge plus. Tu peux t'assurer qu'il va bien ? Je te donne sa position bon, sur ta carte. Bah, juste un peu. Ok. Je vais faire un petit peu là-bas. Hey, la route, c'est là-bas. Donc, et voilà, on est arrivé. Alors, juste dans quelques minutes. Oh, ça c'est pas mal. Voilà, c'est là. Oh non, tout le monde va bien. Il est là. Alors, c'est sympa ici? La bouffe est... pas top. Ah. T'as attaqué? J'arrive pas à savoir si elle pense que mon masque c'est sexe ou flippant. Oh, désolé. Le bureau principal du FBI se trouve dans l'immeuble d'Elums. Il nous faut absolument le reste des données. Et pourquoi ? Parce que... il y a quelque chose qui se passe, là. Quelque chose de gros. Plusieurs hackers que je connais ont repéré des fourgons qui les suivaient. Bah, ce serait pas la première fois que le FBI essaie d'intimider les hackers, en mode rejoignez-nous ou mourrez. Pourquoi maintenant ? Vu notre popularité actuelle, le timing est suspect. Tu lui fais vraiment confiance, Harry ? Il a peut-être fait un deal. Non, mec, jamais de la vie. Tu peux me faire confiance sur ce coup-là. Ok. Peut-être que Miranda peut nous aider. Peut-être. Elle utilise souvent une appli de chauffeur pour ses déplacements. Je vais voir si j'arrive à la choper. Je vous sers quelque chose ? Non, moi je m'en vais. Mais je peux vous poser une question. Mm-hmm. Vous trouvez que le masque de mon pote, c'est sexe ou flippant ? Les deux. Tu prendras bien un autre café. Allez, à plus. On va pas interroger. Alors... Hey, vous allez où comme ça ? Ça va pas trop ! Allez.
Alors, choisir chauffeur de taxi dispo driver. Ok, donc. Elle est où, merde? Ce véhicule là. Allez, let's go. Bonjour Miranda. Oh, je me fais juste un petit peu d'argent de poche. J'hallucine. Où je vous emmène? Je vais rendre visite à ma mère. Vous avez suivi ma piste? Ouais, c'était le FBI. Je ne peux ni le nier ni le confirmer. On veut contre-attaquer, mais j'ai pas pu obtenir toutes les données. Il faut que j'accède à leur bureau d'Oakland. Vous prenez de très gros risques, Marcus. Ouais, et alors? C'est pour ça que vous vous faites passer pour mon chauffeur. Vous pensez que les fédéraux me surveillent aussi? Vous aussi, non? Vous vouliez pas me dire d'où venaient vraiment ces photos? Je faisais juste preuve de prudence. Voilà, c'est pour ça que je préfère vous parler en personne. Marcus, je n'ai pas envie de vous faire la leçon, mais lorsqu'un jeune homme découvre qu'il est recherché par le FBI, il devrait probablement reconsidérer la manière de gérer sa vie. C'est un bon conseil. Et particulièrement un jeune homme de couleur. Je suis d'accord. Parfait. Je tenais à ce que ce soit clair. Dites, comment vous avez eu ces photos de nous dans le bar? Disons que j'ai une source. Et votre source, elle a autre chose que je devrais savoir? Les fédéraux font la chasse aux hackers. Ils essaient de coopter ou de faire chanter le plus de groupes possible. Pourquoi? Ils veulent le contrôle des Zero Days. Et ils ne veulent pas avoir de concurrence. Wow, si même le FBI s'y met, ça va plus être cool d'être un hacker. Je ne plaisante pas, Marcus. Ils vont tout faire pour neutraliser DedSec, et eux non plus ne plaisantent pas. Je fais quoi? Pour le bureau du FBI, j'ai un ami qui peut vous aider. Mais vous devrez utiliser la procédure Moscou. C'est quoi cette procédure? Il y a une vieille cabine téléphonique devant l'immeuble des Lums. Décrochez? Identifiez-vous comme Fred et enregistrez le signal. C'est n'importe quoi. Je vais vous laisser une éval de merde sur Driver. Alors voilà, c'est accompli. Après. Ça va être un peu long encore, 4 km. Donc on se retrouve
à tout de suite. Allez. Oui, c'est Fred. Super, ça marche bien. Je le sais. Non, c'est bon, vas-y. Écoute. Ok. Désolé, j'ai pas. On va rentrer, hein. Sésame, ouvre-toi. Tu pourrais me remplacer à la réunion, Richard? Pareil que t'as démissionné. Excusez-moi. Tu vas gagner plus. Nickel. Bon, Marcus. Il doit y avoir des infos susceptibles de nous mener à leur point d'observation. Dis-moi où je peux les trouver. Et c'est ça le problème. Ils sont malins, ces enfoirés. On dirait qu'ils ont splitté les données. Du coup, je sais pas quel serveur pirater. Ah bah super. Merci d'avoir attendu que je sois à l'intérieur pour me révéler ce petit détail. Il y a une antenne sur le toit. Essaie de placer un émetteur dessus. Si j'arrive à identifier les données en entrée, je devrais pouvoir retrouver le bon serveur. Ok, pas de soucis. Monter sur le toit, placer un émetteur. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Oh, le fin de show. Pardon, je sais, je suis à la bourre. Oui, d'accord, mais tu pourrais quand même mettre les points sur les i. J'ai compris, ça se comprend. Ok. Putain, il est caché. Bon. C'est qui ce blaireau? Il y a une saleté de hackers ici. Ok, je fais ça en 2 secondes. Perds pas de temps à admirer la vue, alors.
Non, faut pas celui-là, faut l'autre. Oh les bâtards. Oh, ça c'est bon. Ouais, il n'y avait pas que ça quand même. Oh putain. Et voilà. Ça y est. Super. Une seconde. Je remonte le flux des données. Oh, je suis pas pressé. Je suis juste sur le toit du FBI. C'est bon. Ok. Je te l'ai indiqué sur ta carte. Voilà, donc après téléphoner les données du serveur. Donc, on descend. Comme là en fait on peut se barrer d'ici. Voilà, hop, toi par terre. Yep. Thank you.
Putain, merde. Non. La police, votre urgence, s'il vous plaît. Putain de merde. Je me mets à couvert. Je vais me mettre à couvert. Je suis agent fédéral. Non, je vais me faire niquer. Moi, je suis mort. Ah, fait chier, on était presque en plus, j'espère que je me suis fait repérer l'autre. T'es qui, bordel? Hop là. Alors. T'es sûr que t'as le droit d'être là? On va refaire comme on a fait. Ne bougez pas, je vous envoie la description du suspect. Putain de merde. Vous entendez du bruit, c'est pour ça. Oh. On va attendre là pour l'instant. Bon sang, non mais sérieusement là! Ça c'est fait. Mais wesh, mais y'en a pas. Comment ils veulent voir? On va se remettre là-bas, hein. On se rend sécurité. Allez. Ça,
Et en vrai, on y va, on y va, on y va. Bah là, je reprends bien du coup. Ah voilà. Des trucs sur nous. Putain, c'est ouf. Profil, empreinte digitale. Si Tara a été virée du lycée pour avoir mis un truc dans le café du proviseur. Ne lâchez pas. Bon, moi j'ai chaud. Au sujet d'une planque. Wrench, je suis grillé. Retire-toi, vite, vite. Ouais, mais on n'a pas l'adresse. T'inquiète, j'ai une fréquence. Go. Merci. Allez, allez, putain. Fais gaffe, Marcus. Je détecte un max de mouvement. Les mecs du FBI doivent attendre. Alors. On va attendre que ça fait fuite. Merde. On a une description du suspect. Restez en ligne, je vous l'envoie. Impossible. On va attendre qu'on s'enfuite.
d'accord, c'est un dead bon. On peut s'échapper tranquillement. Moto et on se casse. Et on va s'arrêter là. Et voilà. Nickel. Sorti, mais putain, ce fail, j'ai rien trouvé. Stresse pas, ma poule. On a la fréquence de la plante maintenant. Du coup, y a plus qu'à faire une triangulation et on saura où elle est. Ah, ok. L'émetteur qu'on a mis en haut de l'immeuble, c'est le premier point. Yep. J'ai localisé deux autres antennes pour compléter le triangle. Moi, je m'occupe d'une, toi, tu fais l'autre, ok? Je t'indique ça sur la carte. Donc on va cesser pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma page sur mon Twitter, si vous n'êtes pas à ma chaîne YouTube, pour vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, allez, salut.